Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième top 5 sur les turbos. Quand on parle de turbo, on parle de tous ceux qui avaient un turbo dans leur véhicule, bien sûr. Le son que ça faisait, pas juste la blow-off, là, le son au complet du turbo. On va y aller tout de suite avec notre numéro 5. Déjà aussi, le char était spécial à nos yeux, là, avec l'historique de ces véhicules-là. Je vous laisse pas plus tarder, on va aller voir la vidéo du numéro 5. Kevin avec sa Celica All-Track. On va aller voir ça. Fait qu'à la cinquième place, Kevin avec la Celica All-Track. Chaque changement de vitesse, la blow-off là, qui t'a fait un petit pssss. À l'intérieur de l'auto, on entendait tellement bien le du turbo, excusez ma face. Ça a été vraiment une belle ride avec Kevin. Numéro 5, le turbo là-dessus, ça sonnait vraiment bien. On va continuer le top 5 avec notre numéro 4, un autre Kevin. Kevin avec sa Cadillac ATS. On va aller voir la vidéo, on en reparle après. Kevin avec la Cadillac ATS, vraiment le son était vraiment beau de la blow-up valve puis du turbo en général. Tellement comme pas l'image typique que tu te fais d'une Cadillac à chaque changement de vitesse, un à chaque fois qu'il lâche le gaz. Là. Oui, je suis conscient qu'il y a des turbos depuis un bout dans les Cadillac, mais malgré tout, on les entend pas faire ce son-là. Là. C'était plutôt drôle et bizarre comme sensation dans un Cadillac d'avoir ce son-là tout le temps. Kevin avec la numéro 4 avec la Cadillac ATS. Numéro 3, lui, il avait pas juste un turbo, il en avait deux. On va aller voir la vidéo. Numéro 3, Mario avec la Newport 67. 3.
Mario, avec la Newport 67 Twin Turbo. C'était pas juste la blow-off, c'était tout le... Écoute, tu entends toujours les turbos sciller, c'est tout le temps. Là, dès que tu touches le gaz, tu entends le petit qui commence à sciller. De l'extérieur, quand il lâche le gaz puis que tu le suis, c'est encore pire, t'entends. En tout cas, c'est vraiment incroyable le bruit de ces turbos-là. Là. Mario numéro 3, nice job. On s'en va tout de suite avec le numéro 2. Numéro 2 aussi, un setup assez fou. On va aller le voir. Je vais laisser le turbo parler de lui-même. Oser avec la Lancer Rally Hard, encore une fois. Numéro 2. Numéro 2 avec la Lancer Rally Hard. Lui aussi, un autre que les turbos, tu les entendais toujours sciller. Écoutez, j'ai juste une chose qui me vient en tête quand que j'entends sa blow-off valve, c'est des coups de fouette, c'est coups de pish, coups de pish. C'est vraiment ça. Nice job. Tout un son de turbo dans le véhicule à oser, c'était assez hallucinant. Donc, on est rendu au numéro 1. Mais avant de se rendre au numéro 1, je veux quand même envoyer un shout-out à tous eux qui ont été dans les discussions. Pas tous les véhicules qui avaient des turbos dans la saison, donc il n'y a pas beaucoup de shout-out, mais je veux quand même leur donner leur petit moment. Il y avait dans les discussions Olivier avec la Genesis Coupe, Mike avec la Eagle Talon TSI. On va aller voir ça. On en reparle, puis après ça, on passe au numéro 1. Olivier et Mike, vous avez été dans une discussion pour des raisons différentes. Là. C'est sûr que Mike, on n'était pas dans des conditions idéales, là, mais regardez, c'est comme ça. On y va avec le numéro 1. Vous en doutez, je suis pas mal sûr. Donc le numéro 1 pour tout ce qui est les sons de turbo, Guillaume, encore une fois, avec la Miata Turbo. On va encore aller le voir. Je reviens encore avec d'autres choses à vous dire là-dessus. Wow. We'll be right back.
Tu remportes le numéro 1 pour les sons de turbo, ou turbo en général. Quoi dire, écoute, c'est le seul turbo qu'on a entendu gueuler de cette façon. Là, c'était... On dirait que tout voulait arracher. Chaque changement de vitesse, on a le droit à un petit... Écoutez, on peut pas vraiment demander de mieux, là. En tout cas, à mon avis. Guillaume, tu remportes le meilleur turbo de la saison. On s'en vient avec d'autres top 5 aussi. La Slay Ride va s'en venir aussi. Il y a 23 décembre, on s'en vient avec la Slay Ride. J'espère que vous allez aimer ça. Puis on s'en vient aussi avec les bloopers, puis avec les meilleurs moments. Donc, c'est pas mal ça. N'oubliez pas de vous abonner, puis de liker la vidéo, mettre la cloche pour les notifications. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Merci beaucoup d'avoir écouté ce top 5-là. On se voit bientôt pour un autre top 5, les meilleurs moments, puis les bloopers. Ciao, gang!